veux passer un diaporama. La chambre Garou. Voilà. Donc la cité d'accueil et d'hébergement de l'île Jourdain, suivante. Voilà. Donc cette cité d'accueil était établie au nord-est un petit peu de la ville, le long de la route de Grenade. Je n'ai trouvé aucun plan, mais par contre, j'ai réussi à trouver une photo IGN de 1946 sur laquelle on voit très bien la cité. Et juste en face, ou presque en face, il y a aussi la gare. Donc elle était particulièrement bien placée. Deux devaient être construites à la gare. Il n'y en a eu qu'une qui a été autorisée. Deux étaient prévues au sud de la ville, au lieu dit Robineau. N'ont jamais été construites. Les travaux ont commencé en début 40. Et je précise que c'était sur des terrains privés. Et puis, il était prévu de les terminer en mai. En réalité, les bâtiments ont été terminés en juillet. Mais les finitions, par contre, ont traîné et tout n'a jamais été totalement aménagé, je pense. Suivante. Voilà un agrandissement de cette photo sur lequel on voit très bien le plan des 15 baraquements qui sont donc desservis par un chemin empierré, en blanc, le chemin de la porterie. Il reste actuellement trois bâtiments, les trois qui sont près de la route, près de l'avenue de Verdun et de la route Grenade. Voilà, ici. Les bâtiments longs étaient des dortoirs d'une capacité théorique de 50 places et les petits baraquements étaient des blocs cuisine-réfectoire. Quant aux petits baraquements qu'on aperçoit sur la gauche, ce sont les toilettes qui devaient être construites. Alors ça reprend un plan, le plan type numéro 2 qui avait été diffusé. Voilà. Tant que je vous montre ces photos, vous remarquez une chose, c'est très intéressant, on voit très bien que les 9 premiers baraquements ont été certainement utilisés. D'une part, les toilettes étaient réalisées. Je précise qu'il n'y avait pas de douche, mais on voit très bien des traces de circulation entre les baraquements, chose qu'on ne voit pas dans les 6 derniers. Et ce qui me conforte dans l'idée qu'ils n'ont jamais été vraiment finis. Voilà. Suivante. Ah, voilà, donc, oui, j'ai fait un petit plan d'après la photo. Les water, ce qui était sur le côté, pour l'un on voit qu'il y avait une fosse simplement qui avait été creusée et le reste n'a jamais été terminé. Suivante, alors voilà ce qui reste aujourd'hui. Alors un débaraquement, le grand portail qu'on aperçoit sur le côté a été aménagé plus tard. Donc ça c'était un débaraquement dortoir. On voit très bien l'architecture. Suivante, on va voir... Voilà. Alors à l'arrière d'un baraquement, il reste des toilettes qui étaient à 5 places. Donc il devait y avoir, correspondant, si vous voulez, à chaque groupe de dortoir, un groupe de toilettes comme ça. On peut passer peut-être à la suivante. Voilà un détail d'un des baraquements qui a servi d'atelier, ça on en parlera plus tard. Et je crois que bon, ceux de Nogaro que j'avais vu quand j'étais jeune, puisque j'étais de Copen, ressemblaient tout à fait à ça, quoi. Mais partout, ça devait être le même modèle. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres vues qui permettraient... moi, j'avais pris des vues de Montestruc. Je remercie M. et Mme Ninon qui sont là de nous avoir autorisé. Les réfugiés, ah, ben, je sais pas. Oui. Oui. Pour Marciac, vous avez des vues? Parce que... Ah, je n'ai pas la clé. Vous voyez que ces baraquements étaient toujours près des villes, hein, à 400-500 mètres maximum d'une ville. L'objectif n'était pas de reléguer les réfugiés loin d'une agglomération. C'était au contraire, c'était dans des cités ouvertes. Hein. Ce n'était pas pensé au début comme étant des lieux de claustration, hein, de fermeture. Bon, alors là, nous sommes à Marciac. Vous nous dites un mot pour commenter. Alors, j'avais prévu en premier le plan, mais on le verra, ça ne fait rien. Ceci, ce sont les promenades. Vous allez voir tout à l'heure sur le plan. Les promenades qui sont prises depuis la route de Mirande. Quand vous arrivez à Marciac,
Mais oui, on a le plan. Alors, intéressant parce que tout au fond, ce sont les arènes. Or, les arènes. On revient à l'autre. On revient à l'autre. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et j'ai cherché longtemps la clé de ceci avec les spécialistes de la tauromachie. Eh bien, c'est tout simplement que nous avons des photos en 1905 où les tribunes n'étaient pas construites, enfin le tour des arènes. Donc on voit, ce qu'on voit, ce sont les étables des vaches. Voilà. Alors évidemment, superbe photo et surtout superbe vue des arènes, des promenades qu'on appelait la Charmante, sans doute à l'époque des fortifications de la Révolution. Alors le plan maintenant. Voilà, alors c'est le plan classique, hein, remarquable de Marciac. Celui-là, c'est le plan de 1837, le plan napoléonien. Et en pointillé, c'était les fortifications qui étaient entières encore en 1800. Elles ont été détruites en 1800, avec leurs 8 portes, etc. Alors, pour le mur d'enceinte, c'est en pointillé. Hein, voyez-vous, autrement dit, le chemin de ronde actuel, c'est exactement le pourtour que vous avez là. Alors, où étaient les barrages? Alors, et c'est ici. Ah, voilà. Vous remarquez que, entre... C'est un plan... Les pointillés, c'est un plan de 1789, qui est original, tracé à la main. En 1837, premier plan napoléonien, premier cadastre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a agrandi un tout petit peu. On a fait une espèce de... d'auréole autour de Marciac, qui a été très peu construite au nord là-bas. Par contre, ici, c'était les promenades. Voilà, les promenades allaient d'ici là. Et jusqu'en 1940-41, ces promenades sont restées intactes. On peut passer à la suite. Alors, deux polémiques à Marciac à propos des baraquements. Le foirail. Car le foirail était placé juste à l'extrémité de ces promenades, contre les arènes. Donc on a coupé les platanes, placement pour le foirail. Ça n'a pas été facile. Et puis là, vraiment, il y a eu un gros problème. Deuxième polémique à propos de l'eau. À propos de l'eau, ça a pris des proportions énormes avec démission de plusieurs conseillers municipaux. On avait négocié avec le propriétaire du grand espace qui est à côté, qui est un cloître, un ancien cloître, dominicain. C'était M. Laboron. Et là, on avait creusé un puits, et puis tout ça n'a pas abouti. Ce puits qui aurait dû servir pour les réfugiés, et qui devait ensuite servir pour l'adduction d'eau à Marciac. Ça n'a pas abouti. Alors voilà la carte la carte postale du foirail. Après, il y a encore deux, trois vues. Voilà, vue aérienne. Alors là, vous allez reconnaître beaucoup mieux. On voit ici les arènes, si vous allez à Martial, et voilà ce qui reste des baraquements. Trois, voilà, ils sont encore, ils ont une utilisation aujourd'hui. Évidemment, il faut imaginer que ces promenades, ces platanes allaient jusqu'au bout là-bas. La suivante. Ben, c'est à peu près la même chose, un peu plus près. Voilà. Les arènes. Alors voilà ce qu'il en reste. Il n'en reste que deux. Pourquoi? Parce que M. Toulouse, lorsqu'il a cherché, qui était maire de Marciac pendant plus de 20 ans, a cherché un emplacement pour la première caserne des sapeurs-pompiers. Et donc, on a démoli la baraque qui est au bout, là, pour construire les sapeurs-pompiers. Autrement dit, c'est définitif, ces belles promenades sont définitivement fichues. J'en profite pour vous montrer, vous vous situez, hein, la route de Mirande arrive là, et vous avez là-bas la place, évidemment, les deux clochers, et puis, si vous ne l'avez pas vu encore, la strada, c'est le cube de béton qui est entre les deux clochers là-bas. Alors, il reste maintenant, je crois que c'est tout. Mais les vues actuelles, oui, il y en a deux ou trois. Oui, après, ensuite. Voilà. Alors, aménagé, mais on en parlera tout à l'heure. Hein. Et voilà, oui. Ça a été modifié, oui. Voilà. C'est joli. Oui. Voilà, c'est contemporain. Alors, y a-t-il d'autres vues? Il y a des vues à montrer? Oui, trois ou quatre. Alors, celle de Riscle. Voilà. Ça marche pas.
Oui, à risque, donc. Enfin, 18 sont mortes à l'hôpital d'Auch, mais beaucoup plus sans doute ont été transférées parce qu'elles étaient malades, ou blessées même, de Masseube à l'hôpital d'Auch, l'ancien hôpital, un Pasteur, et elles sont décédées là. Et donc, bien sûr, leur sépulture aujourd'hui a disparu, mais elles sont évidemment à l'ossuaire, dans l'ossuaire. Et voilà pourquoi d'ailleurs le 17 juillet, une petite cérémonie va être organisée en hommage à ces 18 personnes de Bade-Wurtemberg et à la demande de l'association de Bade-Wurtemberg au cimetière d'Auch, le 17 juillet de cette année. Alors Emmanuel, peut-être par rapport au fonctionnement du camp de Masseube, personnes accueillies et l'ensemble de la période 40-45. En ce qui concerne la période des réfugiés, je n'ai pas d'informations particulières. Je sais que les réfugiés français qui sont venus à Masseube, ils sont restés très peu de temps. Beaucoup sont repartis presque dans le mois où ils étaient même arrivés. Ils sont repartis très vite. À ma connaissance, des réfugiés, des expulsés de Saint-Jure, j'en ai rencontré une, donc elle a pu témoigner, sont restés jusque vers Pâques 41. Après, le camp a été fermé. Alors, ensuite, il y a la deuxième période, c'est la période de l'internement. Alors, à cette époque-là, moi, j'ai deux époques. J'ai la première époque, c'est mars-juillet 43, c'est la gestion de la police nationale. C'est un camp d'internement qui dépend de la police nationale de Vichy. Alors ça, c'est un encadrement particulier. Il y a un chef de camp, un colonel, il y a un secrétaire gestionnaire, il y a deux secrétaires, plusieurs dizaines de gardes, jusqu'à 70, je crois, 67 ou 68, de gardes, brigadiers, agents spéciaux, inspecteurs de police. Donc c'était toute la hiérarchie était là. 6 à 7 infirmières et le médecin-chef, c'était Maurice Saillant, le président de la délégation spéciale de Masseube, qui va être à l'automne 43, promu au rang de chef départemental de la milice, ce qui est encore un autre problème pour la localité. Bon, à partir de juillet 43, ça change. Le camp est transféré au service social des étrangers dépendant du ministère du Travail pour le reclassement au travail. Ouais. Des gens qui avaient en grande majorité plus de 60 ans, ce n'était pas tellement le cas, mais enfin bon, c'était comme ça. Alors là, il n'y a plus que 3 personnes du ministère du Travail, un chef de centre, un adjoint, un comptable. Et ensuite, ce sont 21 auxiliaires étrangers, hommes et femmes, qui assurent toutes les fonctions du camp qui étaient exercées jusque-là par les policiers. Et donc, ce sont des internés eux-mêmes qui exercent toutes les fonctions. Mais bien sûr, Maurice Saillant, jusqu'au moment où il a quitté Masseube parce qu'il était temps, était quand même encore le médecin-chef du camp.